troisième petite chose qui me tient envie, c'est de me frère. Je connais que normalement ça allait son là, ça allait son aujourd'hui là. Je n'ai pas trop envie de faire aller dans forme de causerie. Moi j'ai envie de faire aller dans forme de leçon même. Dans forme de leçon même. Pas mettre faux, j'ai pas mettre faux. Après tout à l'heure, quand vous faites faux, pas mettre faux. J'ai envie de faire aller dans forme de leçon, mais seulement nous j'ai envie de faire la première partie dans Masjid Medine et deuxième partie ici. Alors vu que dans une seule session, je connais peut faire beaucoup de choses. Alors là, c'est que je vous demande ma jeunesse, que c'est devant. Ma jeunesse, pas grave, puis ma jeune qui est malade, 60 ans, vieille, les reins fait mal à pied. Tout ma jeunesse, que c'est devant. Viens devant, vous êtes trop aux autres là. Ma jeune qui est malade et vieux à pied. C'est-à-dire, tout ce qui peut appuyer, c'est ma jeune malade et vieux. Comme ça que vous comprenez, tout ma jeune malade et vieux à pied. Est-ce que vous avez une jeune appuyer qui veut dire? Malade, bien vieille. Elle est grave pas vieille, mais c'est moi malade. Je te connais, mon frère, c'est que moi j'ai envie de jouer dans mon ventre, dans mon cisier, parce que quand on rentre dans le cisier, pas pour gagner du temps, parce qu'il y a tellement quelque chose pour donner aux autres, information. C'est quand même au bout de mon frère qu'après sa leçon là, je droite sa DVD là, je très bien dit, parce que quantité d'informations qui vous dévider, il n'est pas pour facile dans une heure de temps, pour faire ça, pour être capable, grâce à sa quantité quelque chose, il n'est pas pour trop facile. Alors c'est pour ça qu'il parle d'Allah, nous avons. Un DVD, je suis capable de régler ça dans les sons là, je peux gagner pas l'autre, Allah, Inch'Allah, beaucoup de bénéfices, je suis capable de servir ça de la vie et pour porter ça avec mon frère. Pour côté professeur, avant de commencer, il demande une certaine préparation mentale. Il demande une certaine préparation psychologique et mentale. Alors, c'est imaginer un petit coup dans l'Afrique qui commence à chauffer, ni un ventilateur, ni un anoyer. C'est imaginer pas le pays misère. Alors, c'est imaginer cette difficulté là pour nous capables à ce stade nous remercier Allah pour faire ça, mais seulement nous persister en paix. Peine à bombe nous la tête, peine à Bachar Assad, peut tuer nous non rien. Nous persister quand nous malfaire à ce stade là, là, je peux subir catastrophe dans l'Irak, dans Palestine, dans Afghanistan, dans la Syrie. Je connais la Gaza, peut faire du coup penser la Syrie. Mais seulement en même temps qu'il a Syrie, il a dit qu'il n'y a pas d'Afghanistan, parce qu'il n'y a pas de cause. Parce qu'il est dans l'avantage, man arabe, il est dans l'avantage, man arabe, pour causer la Syrie. Alors la Gazette et la télévision causent la Syrie, mais en même temps, des millions de musulmans, ils meurent d'Afghanistan et dans l'Irak. Alors imagine toute cette situation-là. Alors nous, là, Allah peut donner l'occasion en paix, en tranquillité, pour écouter d'Ibn Allah. Alors mettre ça dans la tête avant de commencer à faire des sons. Parce qu'il me connaît faire ça, et quand faire ça, les loups, quand loup, oxygène diminue, ça veut dire pour gagner sommeil. Alors, c'est pour ça qu'il m'a envie de dire ça, mais on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وبليزي فين كومونتير وبليزي فين كومونتير ان بومي مان شيف دي مان جيي مان نافين جيل مان مجاهدين مان نجيري موسى بي كي كونسيتو بكا لا ديك سا مان سوبر بويسانس لا بيرو ديال امريك اي اسرائيل. Il dit oui, je connais maintenant super puissant, c'est moi je connais qui inna Allah ala kulli shay'in qadir. Je connais mon frère et ma soeur. Nous répétons une parole dans nos vies tous les jours. C'est une parole qui nous tout connaît, c'est une parole là. C'est une parole qui nous tout connaît, définition, c'est une parole là. Seulement si nous gagnons yakin, nous c'est une parole là, nous pouvons miracle tous les jours dans nos vies. Parce que Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, il est avec nous. Solide avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver nous une difficulté. Il n'a pas pour donner une difficulté qu'il n'est pas capable de supporter. Nous n'avons pas gagné un droit mal pense Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Il ne faudrait pas nous penser qu'on peut gagner une difficulté donner une grâce dans la tête. Connais qui ça c'est une capacité ou gagner sa tête là. Alors, mon bizarre est là pour dire Inna Allah wa Allah wa ala kulli shay'in qadir, sa bout de parole, nous tous connaissons, nos enfants connaissent, ces 20 titres de boulot là. Écrire sa parole là, mettez devant nous la table.
إن الله على كل شيء قدير. كل شيء قدير. جاي يقين ده ساكي تشوز ده دي مي ماتين توكي شو بو سانزي دولا بس كان لنا بوفور دو توكي تشوز كيفيه او بي بيزين كيت سا ربلا بوالفيه مخلوق سا ربلا كي كو سا ربلا دي على كل شيء قدير كي تشوز إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هاي لك الشورى يا أيها الإنسان أو إنسان ما غرك بربك الكريم كي تسوزي نفتا ديتون تو ايكسا ربلا ان ربك كريم لي كريم نفت تروف سا حديث 99 لا ان ربك كريم لي جينيرو كيف تو ديتون تو ايكسا ربلا كيف ازوجي تو لافي بي اتاسي افيك من مخلوق تو بي ديبان لو من مخلوق اكوسا من مخلوق لا تو بي ديزوبيي رب العالمين اكوسا من كرياتور لا تو بي ماس افيك زوت كونت مسلمان ما غرك بربك الكريم كيف تو بي ديتون تو افيك ان رب لي بانجي قوي لي بانجي عزيز لي بانجي حكيم لي نجي كريم لي جينيرو ان دوت مو سي اريفي انسان تو ديتون تو افيك سا رب لا سا فيجي تو با بي ريكونيت سو جينيروزيتي ما غرك بربك الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من فيك من سير؟ بابو تادي بعدين نلسون directement. à cause des temps et on a beaucoup de choses pour expliquer. رب العالمين جل جلاله. Je vais expliquer ça avant-hier, mais pour expliquer ça aujourd'hui. Ce que je vous explique là, il y a un paquet. Un paquet, ça veut dire il y a un bloc. Quand vous finissez avec lui, il n'est pas pris dans aucune relation avec le deuxième bloc. Ce bloc-là, là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer une sang, ce ruh. Tout mon ruh. Allah fait créer tout mon ruh. Quand il est dans l'alam ou l'arwah, dans les mondes des rouhs, et les fins inculquées dans sa rouh là, les fins injonctées, les fins inculquées à l'intérieur de sa rouh là, qui sa rouh là les reconnaît Allah comme son Rab. Rouh. Elle a pouvoir faire rouh causer ou bien non? Oui. Alors sa rouh là, Allah a inculqué dans sa roue, là, tout mon roue, on dit Adam à l'Islam jusqu'à Yom al-Qiyama, tout mon bani Adam, son roue, Allah a inculqué là-dedans une recognition, ça veut dire sa roue là, lui reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme son Rab. Ayat Quran, je te connais. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. On appelle ça un pacte, on appelle ça un contrat que Rabbu al-Alamin fait avec tout mon ruh, tout ruh, pour Nabi Adam a.s. jusqu'à dernier insan qui peut exister dans la terre avant Yom al-Qiyama, Allah fait un contrat avec eux, avec sa ruh là, après qu'à l'intérieur sa ruh là, il reconnaît Allah comme son Rab, Allah met lui à l'intérieur, ensuite il pose question sa ruh là, Alastu bi Rabbikum, est-ce que moi, mon Rab, mon pas de Rab, tout mon créature, tout mon roof, il répond, Kalu bala shahidna. Définitivement, nous témoignons que Rabbul Alamin, lui-même, al-Khaliq, le créateur de tout mon quelque chose. Là, quand nous étions là, quand nous étions là, dans la réaction, là, quand nous étions dans le monde des roof. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous descendre de la terre. Un insan pareil. Sa insana, Allah a donné l'intelligence qui fait différence entre les autres créatures. Parce qu'il y en a deux groupes de créatures.
Mon expliquer au mimbar ici la fois passée, premier groupe de créatures, c'est tout bonne créature excepté insan avec jinnat qui tout ça bonne créature là, zot ban muslimine, zot soumet devant l'autre Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont le choix de choisir entre vin en serviteur pour Allah ou pas, zot majbour, jibiliyan veut dire dans zot même zot soumet devant Allah, zot bien pour choisir. Les ciels, la terre, les animaux et tout. Deuxième catégorie de créatures, c'est insan avec jinnat, qu'Allah vient donner le choix, il donne l'intelligence pour lui choisir est-ce qu'il peut obéir à Allah ou pas. Mais à l'intérieur sa roue de sa insan là, il reconnaît Allah comme son roi parce qu'Allah finit par lui prendre un contrat par ici dans forme de roue. C'est pour ça qu'Iblis il refuse faire sisda parce qu'Iblis est parmi créatures qui décide qui lui vient faire. Clair? Les temps à insana, Allah donne son intelligence là. Allah parle à insana, le latin, à décider qui lui vient faire le latin. Non, Allah donne son raison, son existence. Qui raison l'existence en insan? Qui a ayat Coran? Ayat Coran? Sur la Dariyat? Wama? Khalaqtul jinna? Wal insa? Illa liya'budun. Alors quand insana sorti dans la forme de roue, il vient dans la forme de l'écho, écoute bien là, à l'intérieur, les désirs reconnaissent Allah comme son Rab. Ensuite, Allah adresse avec son intelligence, il dit, oh l'intelligence, insana, toi, raison qui fait de la terre, c'est pour venir serviteur juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, il vient plus facile ou il vient plus difficile? À l'intérieur, qui vient créer. En arabe, on appelle ça maftour, sous fitrat. Intérieur, sous fitrat, il reconnaît Allah comme son Rab et il reconnaît qu'il faisait faire ibadat pour son Rab. Entre parenthèses, si jamais je fais dawa avec un frère musulman, j'ai besoin d'y aller cause avec ton intérieur. J'ai dit cause avec ton intérieur pour donner-toi guidance parce qu'ils sont l'intérieur aussi. Pareil comme nous, l'intérieur, il reconnaît Allah comme son Rab. Ayat Quran. Sura Rum, Allah dit fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-din al-qayyim. Fitrat Allah veut dire Allah fin crée insan lo en fitra. Sa fitra là c'est millatul islam. Sa ruh là à l'intérieur l'in crée pour reconnaître Allah comme son Rab et pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. So bref, ça y est pour l'anna. Ensuite, hadith, Rasul Sassam nous dit « Kullu mauloudin yulidu ala al-fitra, thumma abawahu yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani. » Rasul Sassam nous dit que tous les enfants qui sont nés dans la case, n'importe qui la case qui est né, en tant que celui qui reconnaît Allah comme son Rab. C'est-à-dire le fitrat. Qui fitrat? Qui veut dire fitrat? Fitrat veut dire reconnaître Allah comme Rab. Et reconnaître pour faire ibadat pour sa rabla. Ensuite, son maman, son papa, sans sa direction, faire l'évine, soit chrétien, soit juif, soit faire ibadat pour man aslan ou bien d'y faire. En l'intelligence, Allah enseigne sa l'intelligence là, qui quand on finit avec l'iman, le rabbul alamin, te reconnaître qu'il m'a l'existence de la terre, c'est pas pour marier. C'est pas pour travail. C'est pas pour faire salat aussi. Faire attention. Non pas pour faire hajj. Non, pour venir servir un esclave en créole facile. C'est pour Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Alors, bien sûr, ou bien jeune fille, sinon on va pas être esclave. C'est pour Allah veut dire libération totale. Contre l'exploitation des créatures. Quand un insan vient un esclave, c'est pour Rabbul Alamin, c'est un quelqu'un qui vient être libéré de l'esclavage des créatures. Mais un celui qui n'est pas venu un esclave sincère et pur pour Allah, il vient esclave pour beaucoup de choses. Quelquefois un système de politique, quelquefois son propre nafs, quelquefois son manger, son boire, quelquefois son hawa, quelquefois son madame, ses enfants, son métier, son travail. Mais au moment où il vient un esclave, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une libération totale. Alors, il service à un moyen qu'Allah vient de donner là, dans disposition
qui Allah met à sa disposition pour les vilains serviteurs, juste pour Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Clair? Allah subhanahu wa ta'ala, ça insan là devant nous, sur l'intérieur déjà reconnaître Allah comme Rab. Et l'intelligence qui Allah vient de donner, même s'il n'a pas fini à l'école, même s'il n'a pas qu'on lire, il n'a pas qu'on écrire, lui aussi, quand il vous donne ça, il y a le Coran là, il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, moi, fin de créer toi, si vous devez faire ces vidéos pour moi. C'est-à-dire faire ibadat pour moi. Moi, pas dire ibadat, tant que nous croyons namaz, roza, et zakat, là, nous pouvons dire, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun, nous vous trouvez la fin leçon, veut pas dire salat, roza, et zakat, veut dire, vous êtes un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala, sauf bref, depuis le Coran même. Pas fini? Oui. Qui fait mon Dieu sa bout de cause, même ni pendant l'école, ni pas qu'on lire, ni pas qu'on écrire là, jamais ça pas pour venir un handicap pour lui venir s'éviter pour Allah. Qui fait? Qui se prive? Me repose mon question. Écoute bien, sans roupie. Non, payez, je suis pas une casse par le président. Mon question. Mon servi une phrase, mon dieu pour venir servir sincère pour Allah, même n'est pas qu'on lire, pas qu'on écrire, il est pas capable venir servir sincère pour Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Surprise. Hein? Non, il est wahi. Cosi. Oh, vous battez, on dit. Mon réponse, mon sang. الله سبحانه وتعالى دا سورة جمعة آية نمبر 10 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين c'est lui qu'Allah سبحانه وتعالى fait envoyer le رسول صلى الله عليه وسلم parmi ban qui pas qu'on lit et qui Ça va pas au miban qui va qu'on lui écrire avec ça, hein? Sahaba radiallahu anhum, wa radu an, Allah bija radiallahu anhum, wa radu an, qui fait Allah fin choisir, dernier niveau de insan, qui t'y arrive dans Jahiliya, un niveau qui jamais insan t'y arrivé, à l'insérer sa qualité insan là, comme cobaye, pour mettre en pratique Quran avec Sunnah, et je viens radiallahu anhum, pour qu'ils jamais personne pas venir nous pas, pourquoi pas? Si tu servis un tabaka, un niveau insan qui est gradué, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas apprendre. Mais tu servis bien un niveau. Si tu servis un qui est déjà civilisé, alors tu ne peux pas civilisé. Il servit un insan, un frère, un soeur, qui arrive à gagner un niveau de insan, la peine d'insan est dans eux. Je suis bien en cas de propre tifi. Sa qualité insana qui servit comme cobaye, comme sample. Pour lui mettre en pratique le Coran avec son. Ensuite, Rabbul Alamin dit radiallahu anhum, wa radu an, pour qu'ils jamais personne pas venir après, n'a pas dit, moi, mon n'a pas, pourquoi pas venir s'inviter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? On continue. Ensuite, Rabbul Alamin dit radiallahu, numéro 1, ruh maftour, veut dire, il crédit au safitrat là. Une intelligence qui Allah peut dire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Troisième, Allah envoie un rasoul alayhi salatu wassalam qui parmi insan pas farishta. Parce que si j'avais malaika, madame je vais ça malaika ça. Nous insan, nous ne pas pareil malaika. Alors Allah il envoie insan qui vit parmi eux, l'immense parmi eux. Les mariés parmi eux, les gagnent difficultés parmi eux, les faire ibadat parmi eux, pour y enseigner eux comment vivre un esclave pour Allah, et les gagnent l'autre, les mêmes avant tout, pour les vivre un esclave pour Allah, et les montrer du monde comment vivre un esclave pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim. قل الله أعبد مخلصا له الدين سورة زمر
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Alors premier tour, premier temps, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devine un esclave, puis résiste pour Allah, te soumet 100%, ensuite te dit « Wa anna hadha sirati mustaqiman » ça c'est mon chemin qui amène je vers Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, montre je comment vient un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Numéro 1, ruh. Numéro 2, l'intelligence. Allah j'ai dit quitte l'objectif. Parce que si Allah te quitte l'insan là, jusqu'à dire, pas connu, tu fais mon lolatir. Non, Allah finit dire. Pas fini. Il n'y a pas de laisser à choisir comment il peut venir serviteur pour Allah. Il envoie un Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui vive parmi lui pour montrer lui comment venir serviteur pour Allah. Pas fini. Attention, pas fini. Il envoie une chose qui s'appelle Sharia, la loi Allah. Quand ça va la loi là, c'est ben la loi que Rabbul Alamin fait mettre. Écoute bien Haboutla. Qui en relation avec réalise l'objectif là. Ben la loi obligatoire et ben la loi haram qui fait elle obligatoire parce que sa obligation là pour faire où arrive vers serviteur Allah, vient serviteur Allah vite. Et ben qui sont haram c'est même quelque chose qui prend pèse ou vient serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, pas si il met tout le chemin là, ensuite il met une limite qu'on n'a pas pour traverser cette limite là, parce que si on continue pendant les limites, entre les limites, on peut arriver vers ou destination sain et sauf, c'est-à-dire un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Sharia, on comprend qu'il fait? Ça veut dire que c'est lui qui fait une action haram, ça veut dire que les pions pèsent lui-même, réalise raison sur l'existence, qu'Allah fait une crédit pour ça. Et quand nous faisons quelque chose qui est obligatoire, ça veut dire que nous pèmons davantage vers réalise raison de l'existence, c'est-à-dire que nous servir pour Allah. Ça veut dire que faire un namaz, ce n'est pas raison de l'existence. Faire un namaz, c'est pas le moyen qu'Allah fait de mettre, ou parmi les plus meilleurs moyens. Sinon, le plus meilleur moyen pour gagner quelqu'un, il vient un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah n'a pas fait créer ça insana pour lui faire salat. Allah n'a pas fait créer un insan pour lui donner zakat. Allah n'a pas fait créer un insan pour lui faire hajj. Mais Allah a choisi sa zakat ibadat qui est arcane dans l'islam là, comme un moyen qui plus vite amène nous vers le service d'Allah subhanahu wa ta'ala pour venir un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit shirk, quand il dit kufr, quand il dit nifaq, c'est même quelque chose qui peut tirer où le sa chemin qui amène nous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la loi qui dissocie, disconnecte avec ça l'existence qu'Allah fait créer nous là. Mais le contraire, tout la loi Allah, c'est même la loi qui fait où réalise ça l'objectif là, c'est-à-dire venir en servir Jésus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça clair? Ok? Je ferme ça boucle là. Là, je vais changer, je vais prendre une autre l'étape de travail. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Anbiya: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Allah n'a pas fini d'envoyer aucun parmi les Anbiya excepté pour montrer insan réalise la ilaha illallah. Qui vous voyez? Réalise la ilaha illallah. Non pas dire la ilaha illallah, non. Dire la ilaha illallah, c'est facile. Réalise la ilaha illallah, veut dire tahqiq en arabe. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dit innahum, idha qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la ilaha illallah yastakbirun veut dire je te refuse dit la ilaha illallah avec connaissance définition la ilaha illallah parce que je suis arabe je comprends bien qu'il la ilaha illallah il y a quatre mots tout seul là non combien mots il y a dans la ilaha illallah combien mots premier la deuxième
ilaha. Troisième, illa. Quatrième, Allah. Ban arabe, je suis faux dans poète. Je ne comprends bien qui veut dire la ilaha illallah. Je ne comprends au moment, Quraysh Makkah ne comprend au moment. Si nous dit ashhadu an la ilaha illallah, ça veut dire mon mépris pour contrôler l'économie, c'est Sharia qui pour contrôler l'économie. Je ne comprends mon mépris pour pas manger dans mon façon. Je ne comprends mon mépris pour pas faire business dans mon façon. Je ne comprends mon mépris pour pas jouir avec jouissance dunia dans mon façon. Mon mépris pour sef, c'est Sharia qui pour vincef et c'est lui qui représente Sharia pour vincef. Alors c'est pour ça que maintenant refuse dire la ilaha illallah. C'est pour ça que le mot yastakbirun, ça tafsir qui m'a dit là, ça tafsir qui m'a fait ajouter là, ce preuve c'est Allah dit innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Quand on dit la ilaha illallah, yastakbirun veut dire batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq veut dire qu'on la vérité et résette lui. Ghamtun nas veut dire dénigrer les autres. Le mot takabur veut dire dès qu'il s'ose. Le mot takabur veut dire dès qu'il s'ose. Tafsir le mot takabur, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui veut dire at-takabur veut dire ghamtun nas wa batarul haq. Dénigrer les gens et en même temps refuse la vérité. Ça veut dire qu'il est arrivé Quraysh Makkah. Il ne refuse la vérité parce qu'il ne comprend très bien sa quatre mots-là qui veut dire. Et malheureusement, beaucoup parmi les musulmans, nous n'avons pas encore compris la réalité de sa quatre mots-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ » Surah 21 « إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ » أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Jamais nous pas fini envoyer aucun parmi les Rasoul avant toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il nous donne le wahi à montrer du monde la ilaha illallah. Ça au niveau individuel, fardi. Au niveau jama'a, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذين أوحينا إلى موسى وعيسى والذين أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. سورة 43 verset 13. 42 verset 13. الله جل شرع لكم من الدين أو من أنبياء مفين دسان في أزود أن دين كي بوفي avec sa دين là pour établir sa دين là sur la terre. Là c'est un objectif au niveau jamaa, au niveau communauté. Nous visons établir دين الله sur la terre. Ça veut dire, Maslala, il n'y a pas arrêté d'offrir à Fouliadein. Maslala, il n'y a pas arrêté avec moi découvrir mon CV. Maslala, il n'y a pas arrêté avec moi faire 8 rakats ou bien moi faire 20 rakats. Maslala, c'est nous n'avons pas le droit de vivre en tranquillité aussi longtemps nous pas descendre nos responsabilités pour qu'il parole Allah subhanahu wa ta'ala. Yuraf, veut dire, les paix. Prononcer partout dans la terre, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Ça nous responsabilité dans la terre. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ben fait, ben sûr, aux jeunes filles, si vous êtes à l'université, au Khalifatullah Allah Azza wa Jal, aux jeunes garçons, au Khalifatullah, aux policiers d'Allah, aux responsables. Dis-moi Allah, Allah met l'islam dans où pour prendre la loi Allah, pour faire lui prévaloir le salatier là. Bon, nous pas responsables pour le faire dans la réunion, mais nous responsables pour faire dans nos masjids. Nous responsables pour faire quand nous avons capacité. Voilà, tatafarraqou. Et ne vous divergez pas sur cet objectif. Pas rien droit. Quel objectif? هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Vous pouvez trouver ça où? Vous pouvez trouver ليظهره على الدين كله. Vous pouvez trouver ça du tout. Vous pouvez trouver tout nous la vie contrôlée par toi ou tout. Manger, boire, l'économie, nous namaz, nous rosa, nous hajj, nous zakat.
ça aussi contrôlé. Oui, non. Prix ticket, tu seras contrôlé. Vous savez mal qui décide? Hein? Prix ticket Hajj? Non. Avion Hajj, tu seras. Nous pilotes Kamin Nouna, tu seras. Vous savez mal? Avion Kamin Nouna. Un pays islamique, il a envoyé son avion, si c'est pour un musulman, il a là-bas. Mais pas de chimiser comme ça, après l'autre. Nous pas besoin de dépendre de nos personnes, nous même nous Akalia, même nos minorités dans Maurice, nous pas minorités dans le monde, nous 1,5 million musulmans. Mais nous dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maman pas dans l'Ummat Maurice, maman dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans qui l'Ummat Zoté des autres par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1,5 million musulmans. Si 1,5 million musulmans donne 10 roupies, il fait 15 billions roupies. Mais qui est arrivé? Qui fait que? Parce que nous accommodons dans cette dunya là, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout Rasoulullah, tu peux dormir dans un fétam, il dit, moi, je suis étranger dans cette dunya là. Pareil, comme un dimoun, il est fatigué en voyage, il gagne un pétam, il rentre en balade, il repose, ensuite il continue sur la route, mais malheureusement, nous ne trappons pas là, nous restons. Premier, tamlin fini, le tam revini, nous ne comprenons pas pétam même. Nous restons à Pétam là. C'est quand nous commençons à laguer et tout pour rester à Pétam. Nous commençons à laguer et tout. Tout ça fait péter au pour rester à Pétam. Nous n'oublions que c'est un voyage. Qu'on fait dunya. C'est un hadith là, subhanallah, je me rappelle quand j'étais jeune. C'est un hadith qui te vient de nos motos. Nos motos. Qu'on appelle nos motos qui fait obouser dans dunya. C'est un hadith là. C'est un hadith. Mais nous ne pensons pas qu'on n'a rien. Nous connaissons qu'on fait dunya qu'on n'a pas rien. Enzen. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Vive dans cette dunya là comme un étranger, passager. Ça c'est ma base parce que au moment où on comprend ça bien, on n'a pas comme malade, pas comme malade dans les pieds, pas comme la jalousie, pas comme la hasad, pas comme la haqd, pas comme la crasse la tête, pas comme la coquin droit parce qu'il m'en voyage qui ou les bails. On veut prendre ça, prends place là, vous prenez pour vous, papa, qui ou les lances, prenez, papa, prenez. Parce qu'ils m'ont pas mis là pour rester là. Malheureusement, nous, en bas à Pietam là, nous commençons à faire la ville. À l'intérieur de la ville là, nous mettons une petite clinique. Nous appelons les cliniques islamiques. Quoi, tout ça même qui sont là, ils font oublier qu'ils nous lasent pour temporaire, passer après aller. Vous connaissez qui va dans ce service à l'exemple là? Qui va dans service à l'exemple temporaire là? Parce qu'il connaît qui va du monde pour voyager. Il connaît qui va du monde pour prendre un sac quand il voyage, un sac léger quand il voyage. Il connaît par exemple qu'on va faire Hajj. Ou pas amener nous l'homme qu'on va faire Hajj. Ou amener quelque chose qui vous servir parce que vous connaissez un voyage de 30 jours, 40 jours, ensuite vous finissez. Il donne l'exemple que tout le monde est capable de comprendre, toute jeune fille capable de comprendre, tout jeune garçon capable de comprendre, vivre dans sa dunya là comme un voyager, comme un passager. C'est ça qu'il nous veut faire. Tout vrai. Quraish Makkah zot quand on trouve ça la ilaha illallah ben appelle ce tafsir en même temps zot quand on trouve là je connais veut dire refuser quand on trouve le mot ilah al ilah c'est al ma'boud écoute bien le problème non al ilah je comprends ourdou ici non ma'boud ma'boud veut dire ma'oubida ma'boud veut dire jusqu'à ibadat qui a jata, est-ce qu'on ma'boud kehte? C'est lui qui nous fait son ibadat, appelé ma'boud. Même qu'il y a un nabi, même qu'il y a malaïka, même qu'il y a politique, même qu'il y a un système, même qu'il y a l'orzan, même qu'il y a nous nafs, même n'importe qui chose qui nous vit esclave pour lui, ça qui chose là, appelé ma'boud. Écoute bien. À ce que ça ma'boud là, s'il est satisfait que tout le monde fait son ibadat, là, on appelle toi route. Obligé de t'apprendre ça pour qui est là. Un ma'boud, c'est ma'oubida. C'est lui qui fait son ibadat, appelé le ma'boud. Si ça ma'boud là, c'est le fait que moi dis, nous faisons ibadat pour Djibril alayhi salam. Djibril fait ibadat pour Djibril alayhi salam. Si Djibril content que Djibril peut faire son ibadat, Djibril, qui est venu? Ma'adallah, un exemple pour nous. Isa alayhi salam, Djibril fait son ibadat. Comment appelle Isa? Un ma'boud. Si Isa alayhi salam satisfait, il est content de faire son ibadat qui n'appelle lui. Ça veut dire un trois autres, c'est ma'oubida min dunillah wa huwa radin. C'est lui qui va faire son ibadat et il est satisfait avec ça.
ou bien il y a un vide du monde pour faire son ibadat, là il n'est plus un maaboud parce qu'il maaboud là il n'est pas responsable. Quand nous pouvons faire ibadat pour Jibril alayhi salam, Jibril n'est pas responsable. Quand nous pouvons faire ibadat pour Isa alayhi salam ou bien Mariam, je ne suis pas responsable. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Maïda de Neipaz, وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أو عيسى ابن مريم سو قيامة الله بكوز avec lui est-ce qu'il te dit à manjimoun faire ibadat pour toi et ton maman ça veut dire ça est une preuve qui est à manjimoun il fait ibadat pour Isa عيسى عليه السلام et Mariam mais est-ce que عيسى avec Mariam se devine un maaboud Oui. Est-ce qu'ils deviennent toi Ma'boud? Non. Ma'boud, c'est celui qui nous fait son ibadat. Ross, Ma'boud. Soleil, Ma'boud. La lune, Ma'boud. Clair? Et en place, les rois, Ma'boud. Parce que l'Ilidia halal haram. L'Ilidia. L'Ilidia halal haram. C'est l'Ilidia. Je connais qui veut dire l'Ilidia halal haram. Je connais qui veut dire, hein? Par exemple, c'est l'Ilidia l'alcool. Dans l'avion, il y a un droit à boire. C'est lui qui crée la loi. Après, il dit, fume cigarette, il y a un fine. Par exemple, dans Emirates Airlines. Tu vois, il y a un problème. Dans Emirates Airlines, on rentre dans sa toilette, il écrit, It is unlawful to smoke cigarette in this plane. And anyone, c'est pas qu'ils affaire, this law will be subjected to a fine of, c'est pas commis. C'est mal dans le même avion, là. C'est vu l'alcool. Ça veut dire que c'est lui qui drafte la loi de cet avion-là. L'India qui boit l'alcool, qui est halal, et fume cigarette. Adjavan. Tu vas nous pas remarquer. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui va arriver. Ça veut dire qu'il y a un législateur qui peut mettre la loi. Qui peut dire l'alcool halal parce qu'il peut distribuer ouvertement et en même temps faire une cigarette haram dans le même avion. Et l'alcool, les haram, ijma al-muslimin, c'est un haram qui n'a aucune divergence jamais dans le dunya. Pour en début, Rasoul Sassam, c'est la Qiyama. Ça veut dire, celui qui drafte ça la loi là, il fait un haram qat'i. Un haram qui 100% sans divergence, l'inférieur est halal. Si nous disons la musique, nous disons, par exemple, Daoud al-Zahiri, ou bien Ibn Hazm, il dit la musique du Pénassa, alors là, il a fait ça. Là, nous avons un masla qui est Coran avec Sunnah, avec Ijma al-Muslimin, 5 000 000% d'accord qui l'alcool haram. Alors, dans cet avion-là, l'illégal, ça veut dire en arabe, avec ça, l'il halal. Pour potager, essayer, et boire, et tout. Qui nous fait là? Et nous prenons place à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sans la loi Allah en malao, nous fait haram et halal. Ça aussi, la personne il a, min donillah. Le Coran, ça. Comment qui décide ça? Tu trouves ça problème là? Un ma'boud, c'est celui qui dit qu'on fait son ibad. Si sa ma'abouda est satisfait, il n'est pas bon. Ça veut dire là, nous gagnons notre problème, qui veut dire ibad. Parce que quand nous faisons ibad, il arrive une ma'abouda. Vous trouvez? Bon. Ça, qui veut dire ibad? Il vous prend trop beaucoup de temps pour faire ce tafsir. Inch'Allah, dans les sons de tawhid, nous avons besoin de sons de tawhid, il a mis en détail, nous avons écouté. Illa Allah, accepte Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala envie quand nous disons la ilaha illallah, il peut envie des quelque chose dans nous la ilaha illallah. An-nafyu wal-ithbat. Rejeter et accepter. Qui nous veut rejeter? Qui a fait Allah peut demander nous pour nous rejeter? Dis Hamouzen. Ma'aboud. Rejette tout ma'aboud. Allah envie premièrement. Fénénvira. Tu me donnes un exemple, j'ai un verre ou un gobelet, n'importe quoi que tu as fait. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie avant, faddi al-kas. Ça veut dire, les pieds là, tu as tout là-dedans, pas dans rien.
Tu vois là? Ça nous les crée ça. Allah, on vit premières affaires, tu fais? Dévider. La ilaha. Pena aucun mabou, dit tout. Zéro. Quand fini zéro, il l'a accepté. Rabbul Alamin Jalla Jalalo. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par résister avant. Parce que si je me dis, dans mon poste, il y a plim. Dans mon poste, il y a plim. Capable de me soi ou pas? Mais si je me dis, peine n'a rien dans mon poste, excepté plim, est-ce qu'il y a moussoua dans mon poste là? Non. Clair? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avant, la ilaha. Aucun maboud. Tirer, résister, nettoyer ça les kéla, tirer tout maboud. Maboud dans forme de idole, maboud dans forme de insan, maboud dans forme de soleil, rose, les rats aussi, tu veux prier. Ouais, bah, connais, il a mandé les rats. Alors, tout qui chose, tirer avant, ensuite, illallah, mais dis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Tu veux me comprendre? Ça m'a besoin de son tawhid, ça m'a connu. Beaucoup de frères finissent faire son tawhid, mais pour les frères qui ont des affaires, il y a une tirée vision. Pour les frères qui n'ont pas encore fait ça, nous faisons les villes faciles. C'est les gens qui ont un an pour expliquer là. Alors nous finissons faire la ilaha illallah. Premier, il a rejeté tout le ma'boud. Même sa ma'boud là, il est satisfait ou bien il n'est pas satisfait, nous rejetons. S'il est satisfait, appelle-le tawhid. S'il n'est pas satisfait, ma'boud là, il reste ma'boud, nous rejetons. Ensuite, nous acceptons juste Allah subhanahu wa ta'ala nous mettre de sa liquide. Vous comprenez ça bien? Asté, écoute bien, asté. Là, nous rentrons dans le problème. Là. À l'intérêt de sa liquide, là, mon frère et ma soeur, une façon. Écoute bien. Si, asté est là, dans sa majlis là, nous tous sa petite idole. Vous connaissez, chacun parmi nous, nous avons une petite idole dans nous-mêmes. Vous connaissez, moi, je suis content ça, moi. Nous besoin de nous content ce qui est là content. Moi, je ne suis pas content de faire ça. Moi. Nous besoin pas content ce qui est là, ce Rasoul pas content. Nous avons grâce à l'idole qui sac du monde est dans l'île. Lui-même, il y a une petite idole. Moi, j'ai une petite idole dans moi. Il y a une petite asraf en dedans. Dans mon équipe, il y a une petite asraf. C'est grâce à l'idole. Aussi, on n'a pas grâce à l'idole là, pour qu'on fait là, il a. Nous avons dit, moi, je suis content ça. Moi, qui est content? Pas qu'il y a content. Un esclave, il n'a pas droit content pour lui. Qui est content, c'est qu'il se sait être content. Oui, non? Hein? Qui fait l'exemple esclave de Coran. C'est pour ça qu'il en arabe il y a un petit nukta, un petit histoire. Moi je vous explique ça de la sotori, je vous explique ça pour que vous compreniez qu'un esclave il n'a pas un droit pour content ce qu'il est content, il est content ce qu'il se saye de se mettre content. Et les rois, ils prennent ce esclave, il a acheté légumes dans le bazar. Je passe côté Brangel, c'est une histoire en arabe ça, on fait une facile pour vous comprendre. Et là, c'était Brangel, les rois là disent, esclave là, Brangel bon ça. Ils disent, oui, Brangel très très bon, il a beaucoup fait là-dedans, il est bien bon, les légumes ça, il est bien bénéfice. Ok, je retourne, il amène Brangel. C'est un prochain Real Bazar, repasse côté Brangel. Les rois disent, Brangel là, fait la langue gratter, ça n'a aucun bénéfice, ça là, gaspille l'argent ça. L'esclave a dit, ouais, gaspille l'argent, il n'y a pas beaucoup de se couler, il est vilain. Les rois là disent, esclave, puis c'est un indien, je dis, moi, je dis, moi, pour pas esclave pour Brésil, moi, esclave pour toi. Ce qui te dit, c'est un maudit. Parier, c'est un problème là. C'est un nous problème là. C'est un nous malade là. Parce que nous encore choisir ce qui nous content. Un abd, mukhlis lillah. Un serviteur devient esclave juste pour Rabbul Alamin. Il n'a pas content, excepté ceux qui sont Rab content. Excepté ceux qui sont Rasoul content. Et il déteste, excepté ceux qui Allah déteste. Et ceux qui sont Rasoul déteste. C'est pour ça que Rabbul Alamin dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum. وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah, il fait, écoute bien ça, l'avant qu'Allah peut faire là. Allah, il donne ou une petite chose qui appelle free will. Ou bien, il doit choisir ce qu'il veut vivre. Au moment où vend sa soi qu'Allah donne ou là, avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, il retourne au Jannah. Oui, non?
À ce stade là, un frère qui a choisi de dire, hey, moi, je quitte le son au pied, oui, non. C'est-à-dire, il a le droit du choix. Ça, insan, qui a l'un donné sa droit là, tout insan a l'un donné sa droit là pour choisir, mais il vend ce choix pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ce soir, une soir, Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Ce soir, une soir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Quran sur la Tawbah, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même il donne nous sa liberté pour choisir là. Nous nous disons Allah oui, donne nous sa liberté là. Nous n'avons pas pour choisir excepté ce qui toi te content. Nous vendons ce soir-là avec Rabbul Alamin, l'idée bi anna lahum al-jannah wa lahum al-jannah. Même définition à la sourate Baqara, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardati Allah. Wa minan nas parmi les gens, man yashri nafsa, li met son nafs en vente avec Rabbul Alamin jalla jalaluhu. Pour que Rabbul Alamin y aste sa nafsa et lui donne satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. De tout hala, Ali Quran Sunna Sira Sahaba, je vous trouve ça meaning. Je vous trouve maintenant que vous avez nafs. Maintenant que vous avez l'envie. Maintenant que vous avez l'argent. Pour gagner satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'importe quelle chose qui vient un handicap, qui empêche nous, réalise ça. Dans le charia les haram. Clair? Nous comprenons ça? La ilaha illallah. Ça veut dire, au moment, nous nettoyons ça qui est là, nous mettons ce Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, à ce moment-là, nous avons une facilité encore qui a l'air pour nous. Nous rouges, une crée pour ça. Nous l'intelligence, à l'air enseigne nous ça. Il envoie un man rasoul pour montrer nous ça. Les mettre dans la charia, quand nous mettons ça en pratique, nous pouvons aller vers l'objectif là avec facilité. Pas finir ce temps. Nos mécanismes, les corps, à l'intérêt de ça, les corps, l'une façon, si vraiment nous dévident ça, les qui est là, nous mettons Allah, sans au besoin réfléchir, ou les corps automatiquement les pour réagir d'après ce qu'il y a dans l'écrire. On va dire, si ça l'écrire là, il existe Rabbul Alamin là-dedans, ou l'écho pour réagir, il existe pour Rabbul Alamin. Si il y a 70% Rabbul Alamin, 30% nafs, position, lozan, madame, monsieur, dunia, ça veut dire ou l'écho pour réagir 70% pour Allah, et pour réagir 30% pour man. Les autres choses qu'il y a dans l'écrire là. Ça un automatisme de nous l'écho qui Allah fait mettre, qui au moment ça l'écho est là, Rabbul Alamin il rentre là dans tout seul, ça l'écho là automatiquement lui pour réagir d'après qu'il a ça l'écho là. Et c'est ce qu'on appelle ça nous iman. Si iman là, il est rempli de ça l'écho là, action là pour baser d'après ça iman là. Si il est 50, il est pour 50, si il est 60, il est pour 60, ça même nous iman nous mettre. Si nous avons nos iman qui quantité, get nos actions qui quantité, nous pouvons qui quantité iman. C'est là qu'il dit. Docteur Lekien dit. C'est là qu'il dit. Nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Qui hadith? Qui hadith? Quand il y a ce hadith qui dit, ce qui est dans le qui est là, c'est un point en bas. Allah? Inna fil? مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد أحسنت لا مول في يسبيكو عند إنسان عند إنسان إنسان لا نعرف لنو لكير si vraiment aujourd'hui nous sortis dans les sons astier là 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 tout ça man jeune là nous décide pour tirer tout ce qui est dans nous lesquels nous décider avec l'aide Allah nous mettons Allah ou l'écho automatiquement tout de suite astier là même. Pas demain, il va commencer à réagir juste pour Allah. Même où l'esprit n'a pas voulu réagir pour Allah, il n'a pas pour capable de faire un mukawama,
Il n'a pas fait confrontation avec l'école parce qu'il nous partit l'école, il dirigeait pour qui ça fait? Pour nous l'école. Et alors, il dit, il n'a fait le jasé des moudras. L'école, il a un bout de l'ancien. Il a salahat, l'impropre, l'impure, entier l'école sous action pour propre, pour pire. Et s'il y a une corruption là-dedans, l'école prend la corruption. Clair? Ça veut dire, nous finissons l'opération, le diagnostic, tout là. Vous savez, monsieur. Est-ce qu'il y a dans le Coran, nous avons une place qui montre que c'est lui, dans le cause miracle, c'est lui qui a là, 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 dans sa leçon là, il décide pour mettre 10 Allah dans ce l'équipe, il accepte crase ce petit idole, de ce propre idole, et n'importe quelle chose qu'il a dans sa l'équipe, il crase ça, il met 10 Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la place du Coran montre que oui, définitivement, ce l'équipe pourrait moins se réagir tout de suite 10 fois là? Je veux dire. Bien. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. موسى عليه السلام جادوغر يفين بو في جادو كومانسا إيمانان رب دسالكي الان يتوم در سجدة tout de suite ce l'écho commence à réagir en place pour manifester qui s'allait qu'il est rempli avec l'imam. Pharaon peut dire « Lau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in » Pharaon peut dire « Moi pour couper les autres la main droite et les autres les pieds gauches, ensuite moi pour crucifier les autres les pieds tamés. » Maintenant qu'il répond فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاض Faites jugement ce qui t'en dit. إِنَّا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ Nous n'avons pas pour capable sacrifier une preuve qui vient clair devant nous à cause toi. Combien de minutes j'en ai un iman? Combien de minutes? 5, 10, 15, 20, 25, 30? Combien de jumans nous faisons l'année là, l'année dernière? 50 jumans. 50 jumma ittaqullah ya allah ya allah ya allah yo ko be jamu saman ya allah 5 fois salat couvrir avancer tout ça banane là nous be jenna iman là nous non ko be jenna iman là 50 jumma passé dans 2011 quitte l'alcool quitte cigarette haram quitte action haram quitte jouer l'auto quitte les courses haram. Arrête de se habiller de façon que Allah finit défendre et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit défendre. Nous encore peut faire musulman comprendre ça. Comprendre ça, 50 des djumma, il passe dans un an. 1430 des bananes, nous peut faire djumma. 1430 des bananes djumma, mais tu pas 50. Tout ça, bananes, nous encore peut dire, Akhimus Salah, Atus Zaka. Nous ne pouvons pas dire là, nous ne finissons pas Maurice, nous allons prendre la Réunion, nous allons prendre Madagascar, nous allons prendre ces là, yo papa, pas quoi ça me dit tout ça. Blié. Là, ça c'est malade pour une année au matin, ça pour une sève, ça pour prendre chose, ça pour contrôler tout le monde, ça problème là, nous finissons comment se penser. Tellement malade. Nous encore pouvons dire salat, salat, zakat, zakat, couvert, couvert. Salat ou le fajr, salat ou le fajr. Combien de causes vous faites pour dire salat ou le fajr? Combien de causes? Mais qui n'arrive pas à nous dire d'où là? Qui n'arrive pas? Ça va dire du gars là, zone David, zone casse, zone David, zone gobelet, tout ce qui tient là-dedans, zone mesis rabul alamin jalla jalaluhu, automatiquement ça l'écho là, il commence à résonner, il commence à réagir d'après ce qu'il y a dans les autres. Alors Allah teste les autres, pour tous les autres, ben là, il y a faqdima antaqad, fais ce qui te va, innama taqdi hadi il hayat al dunya, ce qui te va faire, c'est juste dans sa dunya là. Est-ce que vous faites ma quoi? 20 ans, 25 ans, nous encore peut expliquer nos mansir. Les haram pour sortir devant le rire mahram ou pas de mettre le djilbab et on se fait couvrir.
Vous avez parlé 150 années pour comprendre ça. Un djimoun qui n'amène iman, ma soeur, un djimoun qui n'amène iman lo Allah, un djimoun qui peut dire les goûts de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un djimoun qui peut dire les gens qui ont été en train de se qui peut dire les gens qui ont été en de ressortir pour un compte. Nous, en groupe, nous avons dit sur base, madame, c'est qu'il n'a pas gagné un droit par les demandes de mahram sans qu'il y ait vite après ce qu'elle a sur le décider. Mais qui n'arrive à ce djadougar-là? Qui n'arrive à ce djadougar-là? Qui n'arrive à ce musicien-là? Musicien qui finit arrive lui? Il n'arrive ce qui arrive tout le monde du normal. Il n'arrive ce qui n'arrive Omar radiallahu an. Il n'arrive ce qui n'arrive Bilal radiallahu an. Il n'arrive ce qui arrive tout le insan qui dévite ce nekir. Pour mettre Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu tout seul là-dedans. Automatiquement, tout de suite, immédiatement, ça découle, elle commence à résonner d'après ce qui vient de sa nekir. Ça veut dire problème d'un côté? Clair? D'accord? Si d'accord, nous commençons une solution. Solution, mon frère, mon monsieur. Première solution. Écoute bien, mon jeune. Vous ne connaissez pas la jeune fille en bas. Écoute bien. Mon soeur, mon maman. Première solution, c'est qui nous pas embête nous-mêmes. Première qaïda. C'est ça qui embête lui-même et embête les waladina amanou. C'est ça qui embête lui-même et les autres embêtent Allah et les autres embêtent les waladina amanou. C'est ça. Hein? Ya Rabbi, wa min al-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawm al-akhir wa ma hum bi mu'minin. Hein? Yukhadi'un Allah waladina amanou. وما يخدعون إلا أنفسهم ويشهدون سنة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا سورة توبة لا بس سورة بقرة ديسيدي أزوجي نونا باب ولا كاز pareil comme on a dit dans le film Andaz nous bien content on a la case après fini. Azoji tout frais avec ciel et pour signer un contrat, dit Van Van Malaika, Malaika pour prendre le papier pour ramasser pour dédier après. Qui premier la loi? Premier la loi n'a pas embêté personne. N'a pas embêté Allah subhanahu wa ta'ala. Sa petit frère qui devant autres dans Mimbarna, mais bien qu'on tout mon manière, tout mon mal PC, pas mon bête. Chacun parmi nous, il connaît son manquement. Chacun parmi nous, il connaît son mal péché. Chacun parmi nous, il connaît qui constate les mots farbit. Veut dire qu'il peut faire tafrid, les négligents envers Allah subhanahu wa ta'ala et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se banne l'enseigne. La loi numéro 1 n'a pas embêté nous-mêmes. Parce qu'il embête nous-mêmes, nous peut embêter ça. C'est là pour payer donc. Numéro 1. Numéro 2, nous vous a supplié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a contrôlé nous les kéas, au Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui docteur l'équerre. Lui fin vin pour enseigner nous. Comment vous êtes traite nous l'équerre? Lui, tous les jours, dans ce soir-là, il dit, ya muqallib al-khuloub, thabit khuloub, on a mais nous qui nous positionnons. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, dit, Rabbana la tuzigh khuloubana, ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahma, inna kanta al-wahhab. Ya muqallib al-khuloub, thabit khuloubana ala dini. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il danse sijda dans la nuit, il peut faire ibadat. De ce petit lassam qui est un pied et demi, quand pour lui faire sijda. Mais dans Oumad, il peut prendre l'aune avec la banque pour lui monter sur la case. Sur le Rasoul, tu peux dormir dans la case un pied et demi. Il y a ce qui est Rasoul même. Il dit comment, où est la case? Maman, il peut payer là. Mais au Qiyama, il dit comment on peut faire face avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam là-bas, quand tu seras au décaufer. Quand il dit aucun arrive, il fait une misère. Il dit parce que moi, tu misères, je te vois, tu connais moi. Maman, tu peux misère qui tout misère. Vous voyez qui fait Rasoul Amin reste misère? Vous voyez qui fait? Inch'Allah, demain dans Al-Furqan, une surprise pour tout le monde moussaline, nous pour qu'on zise Rasoul Sallam. Zise pour personne, pas dire, oh Allah, moi je suis misère, comment vous faire? Ton Rasoul, je suis misère. Allez, trois jours, je ne fais pas perdre. Mais des mois, je ne fais pas perdre. Mais moi, je suis avec des locs, je suis plus misère encore. Il dit, il y a un rose dans Ahzab, il y a un rose. Mais je ne sais pas pourquoi.
qui vous mène la guerre? Quand vous sautez, qui vous pile? Quand vous allez, Rasoul Sallam, en Hudja, il y a une preuve contre nous au Qiyama. Alors, Rasoul Sallam peut faire sijda. Il peut viser avance, les pieds Aïcha, radiallahu anha, pour n'y capable pour se la tête. عائشة يا متن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سجدة اللهم أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب كي كاليتي سا كي كان دي لانسلمان بفا موريس ابتي كي في من دي من كين جانسي كت كونيسانس وبيت موانس فيت دي كت تهجود لين كوا لي توسيل سامبيون دا جنة بفا كين كوفان كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لانوي دي بيبلوري دي رب العالمين اللي بيجي اللهم أعطي نفسي تقواها أو الله دون مو نفس التقوى وزكيها بيريفيي لي انت خير من زكاها ثم يسي لي كي بيريفيي انت وليها ومولاها كتو بوبيتي ساليكيرا حديث صحيح البخاري الو نيميرو 2 نو سيبلي الله سبحانه وتعالى pour lui purifier nous les cœurs parce que si ça les cœurs là ça iman là رب العالمين سول امور رسول الله سول امور une rentre là-dedans ou pas pour viser contrôle ou man action définitivement une action pour suivre ce qui est dans sa lecture. Clair? Numéro 3, nous entreprenons un pas qui est dans le Coran avec la Sunna pour nous rapprocher avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu et Sunna de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Et quand terminé dans un Allah, nous réalisons la ilaha illallah qui Allah fin dit dans le Coran veut dire inna salati wa nusuki wa mahyaya. Tu as fait Kourbani, il y a un peu, non? Tout le monde connaît ça. Il y a un ayat Coran qui tout le monde connaît ça. Tout le Jamaat connaît ça. Tout le pays connaît ça. C'est un miracle Coran, c'est tout le monde ayat Coran qui tout le monde connaît, tout le monde connaît. Il y a un miracle de Coran, tout le ayat Coran est important, qui tout le monde connaît, tout le langage se connaît, vraiment tout le monde connaît. Inna salati, mon salat, wa nusuki, mon nusuk veut dire ban ibadat qui faisait l'osan. Wa mahyaya. Allez, écris le Coran là, dans la case, dis-moi, wa mahyaya, mon la vie pour toi, oh Allah. Vraiment ça? Et là, nous vous connaissons, nous pouvons être véridiques envers soi-même. Oui, vraiment, nous pouvons vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mamati pour Allah, lillahi rabbil alamin, mon l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allô, mon frère, monsieur. Allô, quand ça dit mon nom, il réalise la ilaha illallah, sur la vie, où vous trouvez yakad Allah subhanahu wa ta'ala. Avec sa ayat Quran, qu'il inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce mal adhkar, de tout ce mal enseignement que vous trouvez, il montre nous comment nous avons attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha ta'am. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb. Alhamdulillahi. Tout le temps, tout ce mal adhkar, peut montrer qui nous avons soumettre nous devant Rabbul alamin. Tout nous qui sont sortis contre Rabbul Alamin, nous n'avons pas rencontre contre Rabbul Alamin et nous dit bienvenue depuis Rabbul Alamin. Personne ne va pas faire nous dit tout excepté que Rabbul Alamin. Tout ça va l'enseignement là, juste pour montrer que Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, quand on attache avec lui, tout qui chose dans la dunya est facile et nous gagnons akhira avec facilité pour faveur et rahma Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit que Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, lui donne nous tawfiq et bonne frère, monsieur. Quelque chose de plus important avant nous quitter sa dunya là, comme la mort peut venir, que ça la ilaha illallah est vivant. Si ça la ilaha illallah est vivant, connais que ça veut dire par l'eau d'Allah tout quelque chose de facile. Mais si arrivé au moment où la mort vient prendre nos roues, ça la ilaha illallah est blessé, connais vivant pour une blessure. Et si ça la ilaha illallah est cassé, connais que vivant tout quelque chose est cassé. Alors trois situations. Ou capable de faire face quand Malakul Mawt vient prendre au rouge. Ou la ilaha illallah, les vivants, tout quelque chose pour facile. La ilaha illallah, il y a un manquement devant pour une difficulté. La ilaha illallah, il cassé, ça veut dire devant tout quelque chose pour nous casser, pour nous casser, pour nous difficulté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, que Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, nous fait nous vivre le la ilaha illallah. Et quand nous quittons cette dunya là, nous réalisons la ilaha illallah. Et qu'Allah donne nous tout tawfiq, qui dernière parole qui nous vient dans cette dunya là, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad,
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Normalement, ça le sonne. Nous l'a lit en deux parties. Quand il explique la ilaha illallah, et deuxième partie, il explique Muhammad Rasul Sallam en détail aux vidéos. Inch'Allah, nous allons envoyer vers frère Imran ou bien travers un frère. Il a laissé son tawhid. Quand il explique la ilaha illallah et Muhammad Rasul Sallam en détail, je suis capable de gagner, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.